passé a parfois des bons et des mauvais côtés, et cette fois-ci, c'est de bons souvenirs et de belles lignes qui vont ressortir pour les plus anciens d'entre vous. Bonjour et bienvenue dans Track D, aujourd'hui on se retrouve sur le tracé de Brands Hatch en version GP pour tester un concept car qui n'est jamais sorti et qui n'est pas à la commercialisation, d'où le nom de concept car, la BMW 3 litres CSL Hommage R Concept, un bolide présenté il y a quelques années, même quelques mois par BMW. Et on n'a que très peu de spécificités. Alors en fouillant un petit peu sur le net, j'ai peut-être trouvé des choses qui sont erronées, mais on estimait cette voiture à 1 million de livres, un moteur de 3 litres qui devait être installé avec 550 chevaux et une boîte 8 vitesses automatique. Ici, on n'en a que 6. C'est une propulsion, 1-0 à 100 en 3 secondes 7 pour une vitesse de pointe de 260 km/h environ. Alors cette voiture-là est testée aujourd'hui dans Assetto Corsa en mode. C'est une conversion, je crois, de Gran Turismo où cette voiture était proposée. Et finalement, quand on fait le bilan de cette voiture, il y a pas mal de nouveautés. Alors surtout cette visière que vous allez découvrir en vue on-board qui vous permet de prendre place avec un tableau de bord nouvelle génération. Alors je ne sais pas comment c'est applicable en vrai, si c'est par des lunettes, une casquette ou une diffusion. Mais c'est assez original pour le coup, c'est un peu pour ça que j'ai testé cette voiture, à part le fait que ce soit une BMW classique. Il n'y avait pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que quand j'ai découvert cette feature dans ce mode, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je vous invite aussi à tester, c'est assez, assez sympa. On a un peu un côté wipeout comme ça, avec l'affichage tête haute qui vous revient comme si vous étiez avec une visière de casque, et c'est plutôt sympa. En tout cas, un mode gratuit que vous pouvez retrouver dans la description et qui, je pense, vaut le détour juste pour tester. Voilà les amis, je vous laisse profiter du son de cette voiture plutôt bien réalisée dans ce Track Day. Yeah.